Alors, aujourd'hui, je joue au Pacific Rock à Cergy. Nous sommes le 11 janvier. Je joue avec mon deuxième groupe, The Punchies. Alors aujourd'hui, c'est pas très loin, donc j'ai quelques petites affaires à préparer, mais ça va être très rapide. La petite mallette GoPro. Tout est déjà prêt, en fait. Il est 16h36. J'ai rendez-vous à 18h30 à la salle. Ça ressemble, cet endroit n'est pas très joli. J'appelle mes compères pour savoir où ils en sont. Hein. Allô. Oui Marie. Oui Julien. Ça va? Tu veux savoir si on arrive? Ouais. On est super loin là. Vous êtes? On est au niveau de Téméricourt, on vient juste de partir. Bon et bah à tout à l'heure alors. Ok, à tout à l'heure. Voilà l'exemple type, hein. Ça ne se passe jamais. Ah. Voilà, ils sont là, ils m'ont fait une blague. Nous sommes arrivés il y a à peu près... Ah non, je ne vous ai pas présenté les gens avec qui je joue de la musique. Alors voici, je commence par celui qui est à côté de moi. Il s'appelle Jules et c'est mon bassiste. Oui, je suis l'étalon Bromio. Coucou. Ensuite, voici Marie, la chanteuse du groupe. Coucou. Attends. Le problème, c'est que Maxence est en train de conduire un véhicule motorisé de catégorie B. Coucou. Oui. Mais il peut quand même dire coucou, apparemment ça ne le pose pas de problème, donc c'est très bien. Drive ou pas drive? Eh bien... C'est une distancelle d'un musicien. Drive ou pas drive? Voilà. Le deuxième donc menu. Nous sommes en train de commander un KFC. Avec type Coca et fast frites. Food. Parce qu'on est arrivé et qu'on a faim en fait. Donc les balances sont pas... Et toi? Un menu Tower non épicé. Et un menu Tower non épicé pour la dernière commande. Et alors, première, c'est toi. Moi je mange un menu Tower en référence à la taille de ma... Pardon. Non, un menu Tower en référence à la taille de sa... Ah, eh oui, elle aussi. Non, non, on fait pas ça. Entre musiciens, il n'y a pas de relation sexuelle entre musiciens. Enfin, c'est entre musiciens du même groupe, hein, j'entends. Virez cette magnifique voiture vitre teintée pour ne pas qu'on voit quelle star se trouve dans le véhicule. En deux mots, changement de plateau, le groupe qui a balancé vient de terminer ses balances. C'est donc à nous de s'installer. Les balances. Voilà, je me trouve dans la loge, donc les balances sont finies. Donc la loge, comme vous pouvez le voir, cet endroit qui est un petit peu exigu, c'est du bois tout autour. J'espère que tout ça a été nifugé, hein. Petite blague de milieu du spectacle. Et donc, le fameux frigo. Des bières. Pack de bière, Coca-Cola. Il y a même des petites salades, on n'est pas trop mal. Il n'y a plus qu'à attendre le début du concert. Il n'y a plus qu'à attendre le concert. Attendre, 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 attendre. Ah, des amis. Ah ouais. Il faut des masques. Tu veux dire qu'il y a une caméra cachée? Mais oui. Ah, et puis il y a la latence. En même temps, elle n'est pas très cachée, parce qu'elle est juste là devant ta gueule. Hein. Tiens. Donc, Alors, ça, c'est un petit moment privilégié. Guitariste, batteur. Exactement. Avant un concert. Bon, je ne vous cache pas que le stress se fait ressentir. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça va mieux. Non, ça remonte. Oula, oula,
Je sors tout juste, voilà, ça vient de se finir. Ouh, c'était pas le plus facile, hein, c'était pas le concert le plus facile, mais c'est fait.